Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On s'est réveillé là et on traînait dans le lit avec les enfants, ils sont venus dans notre lit. Oh là là, c'était trop bien. Bon, là, tout le monde vient de partir, tout le monde vient de me quitter. Du coup, je vais me lever aussi. Ah, je suis deg, putain, quelle dinde. Mais quelle dinde, j'ai dormi comme chignon. Alors, je suis dans la cuisine, je fais un petit peu des tomates avec le cœur de la courgette que j'ai tout gratté, avec un peu de basilic, sel, poivre et de l'huile d'olive. Et ensuite, je mets tout ça au four. Je vous explique, je traîne comme ça de partout. Là, on s'est arrêté récupérer des trucs pour Liwen, ces petits cadeaux pour demain. On s'est arrêté vite fait chez un copain et déposé quelque chose. Ensuite, on va partout quoi. On est de partout, voilà. Et là, on rentre à la maison. Il y a mes beaux-parents qui vont arriver. Ce soir, il y a tout le monde qui mange à la maison. Moi, je dois aller faire mes ongles. Là, on doit pas aller à la pharmacie là? Là, on doit aller à la pharmacie. Si, on doit faire ça. On court partout. On fait 1000 stops dans la journée. Ça veut départ, tu veux pas aller là? Ah si, je voulais aller là aussi. Là, du coup, on s'arrête là. Ça, c'est de l'impro, voilà, ici. Ça, c'est... Improvisation. Là, c'est... Mais on On l'a a pas trop de ramené à Dubaï trucs. déjà? On a déjà à Dubaï le trépied. Alors, laisse tomber. Il me semble qu'on Alors, on l'avait ramené s'arrête pas déjà. là. C'est ici. Oh là là, j'ai mon belle-mère et ma belle-mère et mon beau-père qui arrivent, regardez. Ah, les petits chaperons rouges, ils m'ont ramené mon panier avec ma salade préférée. Elle m'a ramené des crêpes comme ça. Elle en a fait fleur d'oranger parce que pour les autres, moi sans parce que j'aime pas. Non mais quelle chance. Non mais voilà. Ça, c'est quoi Et voilà. ça va se Là, ça sent le. On va se régaler. Merci. Voilà, vite au frais. Moi, je suis refaite là. Crêpes quand même. Vous savez que crêpes, c'est crêpes. Et crêpes, je dis. Ah, je n'ai pas fait de la saison originelle. Ah. Allez, toujours, toujours, il nique tout. Toujours, toujours, toujours. Toujours, il va faire des conneries celui-là. Ah, c'est un truc de fou ça. Hein. Il se casse les pieds, les mains, les toutous, il casse tout, frère. Attends, elle est tombée, elle est tombée, je sais pas comment elle a fait. Ouais, c'est ça. J'ai pris la voiture de ma mère parce que j'ai un rendez-vous. Je suis vite allée et j'étais en train de me dire, putain, y a que des ronds-points en France et du coup tu fais que grader, rétrograder, tu passes ta vie à faire ça en fait. Toutes les 150 mètres, c'est une horreur. Et je me disais, mais pourquoi ils font pas que des voitures automatiques en fait? Je me demande s'ils construisent encore des manuels ou si maintenant, parce que moi c'est vrai, je vais pas dans les garages. Je ne vais jamais dans les garages d'ailleurs. Du coup, je ne sais pas si les nouvelles voitures qu'ils font maintenant, ils font que des automatiques ou des manuels, mais vraiment, ils devraient faire que des automatiques. Tu accélères, tu freines, tu fais ton volant, c'est facile. Voilà, bref, c'était ma petite suggestion du jour. Voilà, donc si vous êtes constructeur de voitures, arrêtez de faire des voitures manuelles. Et d'ailleurs, je me disais, punaise. Heureusement qu'on a appris à passer le. Quand on passe le permis, on apprend avec ça. Par contre, parce que nous, on sait tout conduire. Si t'apprends avec une manuelle qu'on te met dans une automatique. Non, si t'apprends avec une automatique qu'on te met dans une manuelle, c'est fini. Ah, tu sais plus conduire, tu sais plus rien faire.